Je vais vous raconter une histoire. Celle de Mohamed, Raphaël et de leur incroyable voyage dans le temps. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le premier jour de pré-production de Jour de pluie. J'ai rendez-vous avec Antoine Barillon, celui qui avait réalisé Ma meuf la Caïra. Je vais essayer de vous filmer tout ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Elle veut pas être dans le making-of parce qu'elle a les cheveux gras. Moi j'ai pas de cheveux, j'ai les cheveux dégueulasses. Oui, c'est ça. Et donc Blanche qui gère la prod depuis le début, c'est grâce à elle qu'on peut faire ce court-métrage aussi. Blanche, ils sont où les dessins? S'il te plaît Blanche, hein, c'est le making-of, making-ouf. Il est là, le génie Barillon est arrivé. On commence? On va y aller, on va attaquer je pense. Allez. Là aussi, il faudra gérer le truc parce que quand ils nous donnent les blouses, parce que là, la discussion, ça permet de respirer un tout petit peu avant que les autres flics arrivent. Alors, on est encore sur de la préparation de Jour de pluie. Et là, on va faire un truc très important qu'on fait pas d'habitude sur nos vidéos. C'est de la répète. C'est quand tu redis le texte pour pouvoir jouer plus facilement. Ce qu'on fait pas sur nos vidéos d'habitude. Mais là, comme c'est un gros projet et qu'on va arriver propre et qu'en plus c'est filmé à la pellicule et qu'on n'a pas une tonne de pellicule, on va faire une petite répète. Ah, allez, ah non, non. Je vais craquer juste le dos. Oh non, 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 bien sûr, parce qu'en fait, dans le futur, il est docteur... Kiné. Kiné. Docteur Kiné. Docteur Kiné. C'est des ouf, quand même. Vous allez se faire enculer, c'est un vieux pays de racistes. Mais arrête avec ça, tu peux pas dire des trucs comme ça. Tu connais ma famille, tu me connais, on n'est pas tous pareils. Oublie ce que j'ai dit, ça me vénère, mais vraiment, il nous casse les couilles. Je te jure que mon plus grand souhait, c'est qu'on n'ait plus à justifier de rien, qu'on vive ensemble, que personne ne juge l'autre parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir... Bah les couilles, trop long. L'orage, c'est le tonnerre. C'est pas lui qui fera le bruitage. C'est pas moi, non, il prendra les gens. Hop, 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 tu vas où toi? Il est 21h55, et couvre-feu, c'est pour les chiens. Couvre-feu. Allez, bonne soirée, monsieur, au revoir. Demain, on tourne. Enfin, ça y est, regardez bien cette tête, et demain, rien à voir, un petit beau gosse stylé et tout. Donc direction le coiffeur, on vous emmène aussi parce que c'est le making of familial. On vous emmène chez mon poteau Zach l'artiste, chez le coiffeur, c'est parti. Regarde comment il est beau le coiffeur. Zach l'artiste, c'est parti, il va nous couper les cheveux pour le grand métrage. Tu comprends que t'as une longue barbe quand on commence à te la peigner. C'est comme quand on commence à te faire une brosse à dents sur tes sourcils. Donc là, j'ai plus de barbe. Norman, est-ce que tu es content de tourner pour Jour de pluie? Ouais, demain je fais mon jour, mais t'aurais pu dire aussi je fais mon quart d'heure. Il va tourner demain et ça va être super bien, parce que même s'il dit qu'il est qu'une phrase, il a pas qu'une phrase. Et il va assurer parce qu'il va être méchant. Là, vous voyez, il est gentil même dans ses vidéos. Bah demain, il est méchant, c'est un enculé demain. Faux! On est enfin au premier jour de tournage. Donc on commence par le dernier jour. On retrouve Paul et Nordine vieux. J'ai une immense émotion parce que c'est le premier jour et de voir mes personnages vivre pour de vrai. Première scène, c'est parti. Comment avoir une belle gueule quand on a une sale gueule? En 1961, j'étais à Paris, là, j'habitais Strasbourg-Saint-Denis, et puis subitement, on entend qu'il y a une manifestation. On nous dit que des gens sont tombés dans la Seine, on les a jetés dans la Seine. La police nous frappait à coups de matraque. La souffrance, trop souffert. 1, 2, 3. Ah moi, ouais, j'interprète le rôle de Raph. Voilà, son meilleur pote, coloc, avec qui il vit l'aventure de retourner dans le passé. Là, c'est la scène qui se déroule dans le présent quand je retrouve ma bien-aimée. Je crois qu'ils ont besoin de moi. Je savais bien que vous feriez. Oh, oh, madame, t'es qui? C'est moi, c'est Bernadette. Bernadette? Norman Tamo. Moi, c'est Lantier, appelle-moi Lantier, s'il te plaît. On a deux bâtons, ça fait deux fois plus mal. Antoine Nouel, qui est un très grand comédien, qui a joué avec Cyrano, avec Belmondo. Et à côté, on a Norman Tavo. Il a joué dans 10%, rappelez-vous, et dans quoi aussi? Dans le podcast Les Chemises. Les toilettes, voilà. Et également le podcast Faire les courses. Et Antoine est aussi comédien de doublage. C'est avec lui que j'ai doublé, c'est lui qui m'a dirigé sur Dragon Ball Super. Moi, je propose qu'on soit nu quand on se lève. Comme dans Terminator. Comme dans Terminator, c'est plus logique. La scène, c'est quand on se réveille dans le passé, et on est tout dégueulasse. Et c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai écrit ces conneries. Mais moi, quand je l'ai écrit, je savais pas que je devais être dégueulasse par contre. Non, moi, quand tu m'as dit Raph, tu veux tourner dans Jour de pluie, le mot pluie, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, j'aurais dû dire non. Parce que là, oui, ils vont déclencher la pluie sur nous là.
Bon, il est cool ce court métrage, mais est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Bon, là il fait hyper froid pour de vrai, non, c'est plus la canicule, tu vois. L'eau est froide, il nous balance de l'eau froide. Et pendant la canicule qui est passée là à 34 degrés, c'était cool, mais là il fait 20, 22 quoi. Normalement c'est jour de pluie, mais là on part sur jour de grippe, les mecs. Franchement, limite, au point où j'en suis, je peux boire comme ça, donc aucun de la différence, franchement. Alors, on a trop regardé autour le futur? Alors, on cherche l'almanach des sports. Comprendra qui pourra. Hein. Ça vous amuse de voir les gens souffrir? Là, il caille, on est en train de me mouiller. On est en train de mouiller les cheveux. On t'a roufé. Faut se cacher. Gilou, qu'est-ce qu'il a dit? Cours. C'était incroyablement fatigant, mais incroyablement riche en émotions, en professionnalisme, parce que c'était vraiment pro de ouf. Et en froid aussi. Et en froid. Là, c'était vraiment le plus ouf, c'était le froid. Et arrêtez de nous dire, ouais, les youtubeurs, dans ta chambre. Mais calme-toi, Momo. Ouais, les youtubeurs dans ta chambre. Ta mère. Deuxième jour de tournage, aujourd'hui on tourne les scènes dans l'appartement, là où on est censé disparaître dans le passé. Et ça se passe bien parce que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus calme, beaucoup plus cosy. Il fait chaud, pourquoi tu me regardes de travers? Tu préparais que dans ta famille, oui, il y a une vieille tante ou un vieil oncle, oh, qui a déjà sorti un petit « Les Arabes, on n'est pas chez nous, ils nous voient de notre travail, c'est obligé, c'est comme ça dans toutes les familles de guerre. » Mais non, maman! Puni, je suis trop le con sur le plateau, ils m'ont dit de m'asseoir là et d'attendre. Ben non, justement, je comprends pas, c'est des vieux. Nous, on est jeunes et cons, on sait pas ce qui s'est passé avant. Eux, ils savent. Silence. C'est des ouf, quand même. Se faire taper, c'est un vieux pays de raciste, quoi. Mais arrête, Momo, tu peux pas dire ça quand tu me connais, quand tu connais ma famille. Tu sais quoi, je suis prêt à jurer qu'une fois dans un repas de famille, t'as une vieille tante ou un vieil oncle qui a sorti un jour un petit « On est plus chez nous, les Arabes, ils nous vendent notre travail, c'est obligé de... » Cette position est totalement naturelle. On se retrouve très souvent comme ça dans la vie. Silence! Enlève ta clope, tu vas brûler le visage. Attends, enlève-la. Mais attends, ça va, c'est bon. Momo va vous montrer comment on ronfle dans les dessins animés. Sérieux, hein? Oh non, petit, ça n'a rien à voir avec le cul. Maman, c'est toi? Ah, c'est ta mère. Réveille-toi. Et c'est une fin de journée pour tout le monde! Ouais! Bravo! C'est le troisième jour de pluie. Et le dernier, malheureusement, j'aurais pu faire ça toute ma vie. Franchement, je peux tourner comme ça pendant un mois et demi. Vivement le long, Inch'Allah. Aujourd'hui, on accueille Gilbert Melki. C'était une surprise pour tout le monde. Gilbert Melki qui a accepté de tourner dans ce court-métrage. Voilà, gentiment. On s'est rencontrés, il a kiffé, il travaille à l'humain et il a vu que l'humain était cool. Ça me fait trop plaisir parce que pour moi, Gilbert Melki, c'est grand, c'est drôle, c'est bon, c'est fort, c'est très grand comédien et je suis très content. On en a pour toute la nuit par contre là. L'équipe est chaude, c'est parti. Dernier jour de pluie. Hey, je vais te dire un truc là, je suis en chaleur. Ça tourne. Action. Connasse, pas de la merde dans les doigts. Oui, c'est pas toi, là, oui. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. C'était pas wow. Gilbert va nous jouer un flic très méchant, mais en gentil en même temps parce qu'il va se rendre compte qu'on est des Italiens et pas des Algériens. Action. Apparemment, on a des problèmes de vue, monsieur. C'est pas des ratons, ça? Suivez-moi. Tu vas faire quoi sur le tournage là? Bah faut regarder la feuille de service, comme ça tu sauras. Non, je vais faire un policier en compagnie de monsieur Melki, Gigi Melk. Nord-africain, maghrébin. Ouais, comme tu veux. Enfin, c'est vraiment comme tu veux. Nord-africain. Vous auriez pas vu passer, un autre. Et action. Ouais, c'est bien là. Et action! Nous sommes à la recherche de deux individus qui, d'après notre signalement, seraient de type nord-africain. Et la troisième, de type. Papier, fils de paye. Abbala, ti abbala, ti femminischette.
Maritati, est una balati, buono, non mi gando, non mi sto. Il fantôme pour Gilbert et Marc. Allez, super, là, salut. Génial. Antoine... J'adore le zouk. Surtout le zouk entre hommes. Salut. Génial. Antoine Barriot, réalisateur et Antoine. Inspecteur. Qu'est-ce que tu fais là? Mais Jérémy Baron, mais qu'est-ce que tu fais avec ton short de skater là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, Inès? Sortez du champ, vite! Et ils veulent forcer le gouvernement français à abdiquer par rapport à l'Algérie française. Le man meurt. Je suis jaloux, on est pas dedans. Il y a quoi comme événement aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a FN qui a appelé. Non, 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 franchement, les gars. Non, FN. Je suis comme ça. Je trouve ça légitime. D'ailleurs, vous êtes chelou. Et voilà. Je t'ai senti. Et voilà, non, parle, je t'ai senti. Non, les gars, pensez à l'équipe technique. C'est comme vous voulez, on range la caméra, on se casse. Hein. Vraiment. On craque. C'est le même tournage. Oui. Ah, il est ému l'oiseau, hein. Ah, putain, mais... Ah, il est ému l'oiseau, hein. Comme prévu, j'ai chialé comme... comme un homme. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu racontes à la caméra? Tu as tellement de personnes pour créer ça et tellement de gens qui ont donné avant sur Kiss Kiss Bang Bang. Merci à tous, merci à tout le monde. J'espère que ça va être la plus belle histoire que j'aurais jamais racontée de ma vie. On verra.